Good morning, allez, Idan et Sussurah, aujourd'hui, le Nishmat Avraham Mordechai, Ben Yitzhak, Vefani et Dvora Bat Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechat Yavavot Perikhe, Mishnah Vav. Chalatz ve'asa ma'amar, Natan Get ou Baal, O Baal, ve'asa ma'amar, Natan Get ve'chalatz, en achar chalitza klum. Ben Batechila, Ben Baimtsa, Ben Basof. Ve'abeila, bizman shei Batechila, en achareya klum. Baimtsa ou Basof, yesh achareya. Reb Nechemia Omer, Achat Beila ve Achat Chalitza, Ben Batchila, Ben Baemtsa, Ben Basof, En Acharei Klum. On va boucler aujourd'hui ce chapitre relativement compliqué avec. Vous vous rappelez le principe? On s'intéresse à savoir quand il y a une Yevama qui attend qu'on lui fasse le Iboum. Donc j'ai la possibilité de lui faire soit Minatora, Iboum ou Chalitza. Je fais soit je me marie avec elle. Soit je la libère complètement en lui faisant la khalitza. Et Chachamim ont instauré aussi un système de kiddushin et de get aussi, que si toutefois je peux aussi lui donner des kiddushin pour la marier, il faut d'ailleurs, quand on fait la misa de Iboum, il faut donner auparavant des kiddushin qui ne fonctionnent pas à Minatora parce qu'ils n'ont aucune utilité du point de vue de la Torah, mais que Midrabanan Chachamim les ont instaurés, et ça fait que ça rapproche un petit peu la femme, ou aussi. Il y a aussi la possibilité de lui donner un guet pour l'éloigner un peu plus, mais bien sûr, ça ne va pas la permettre de se marier avec quiconque, parce que concrètement, sa misa, c'est de lui faire la khalitza. C'est le principe général de tout le chapitre. Après, on a évoqué la situation de un homme, un yavam avec une femme, un yavam avec deux coépouses, et à présent, on est dans la dernière partie avec deux frères, deux yavamim, avec une femme. Ok, ça, de même aussi, s'il y avait deux femmes, c'est le même, c'est le même principe. Avec, à présent, une succession. Alors regardez comment ça se passait. On va traduire d'abord le cas de la Mishnah. Après, on fait une pause, je vous introduis la problématique, en réalité, de tout le chapitre qu'on a pu esquiver. Et puis après, on va découvrir la discussion qu'il y a entre eux. Premièrement, Khalatz. Il a fait la Khalitza. Donc il avait deux Yevamin, avec même deux femmes, ou une femme, comme vous voulez, deux coépouses, ou une seule. Un premier Yevam, il a fait la Khalitza à la femme. Et l'autre, il vient vers sa Mahamar, Nathan Get ou Baal. L'autre, il vient, il lui fait un Mahamar. Ou il va lui donner un Get. Ou il va aller avec elle. Est-ce qu'il a fait quelque chose, le deuxième, ou pas? Et la réponse, elle est qu'il a strictement rien fait. Étant donné que le premier frère qui s'est occupé de la femme, il a libéré toute la famille. Toutes les coépouses pour tous les frères. D'accord? Dès lors, toutes les autres femmes et autres frères ont un interdit de Asher Loïvnet Betachiv, il y a un interdit de lave de se marier avec elle. On est la mission de Rabbi Akiva qui nous dit que quand il y a un lave, on ne peut plus se marier avec elle. Donc si malgré tout il a voulu se marier avec elle ou il lui a fait la Khalitza, il n'aura rien fait. Il n'y aura pas eu de Kiddushin entre eux. On va prendre un cas plus concret. Il y a Reuven et Shimon, ses deux frères, et avec une femme Rachel, qui était la femme de Lévi, que Lévi est décédé, il a laissé sa femme devant. Et à Reuven, il a fait la Khalitza. Ensuite, Shimon, il a envie de faire quelque chose lui aussi. Il fait un Kiddushei Mahamar, il va lui donner un get. Il va même partir avec elle, il va lui faire une Khalitza, ce que vous voulez. Et la question maintenant, elle est, est-ce que Shimon, il a réussi à faire quelque chose avec cette Rachel? Qu'est-ce que ça implique? Si toutefois, il a fait des Kiddushin à Rachel, alors si Rachel, elle a une autre sœur, Shimon ne pourra plus se marier avec cette sœur. Et la Mishnah m'enseigne que justement, Shimon, il a strictement rien fait, parce que depuis le moment où Reuven a fait la Khalitza à Rachel, alors ça y est, ils ont coupé les liens entre les deux familles, entre les frères et toutes les coépouses, s'il y en avait, et de ce fait, Shimon qui est ensuite parti, qui est parti faire une quelconque action avec elle, même s'il est parti avec elle, vous imaginez, il est parti, il a eu un rapport avec elle, il a eu un rapport qui s'appelle un rapport de Znout, un rapport sans aucun lien qui se crée par cela, et de ce fait, la sœur de Rachel, elle s'est encore permise de se marier avec Shimon. Idem aussi, s'il y a eu, ou encore, au Baal, le premier, il a fait la Be'ila, il est parti avec elle, avec Rachel. Et le deuxième, Asa Mahamar Natan Get Vechalatz, il a été fâché, il a finalement fait le Mahamar, lui aussi il est parti avec elle, ou il a donné un Get. Et de nouveau, son acte n'a aucune conséquence sur Rachel, et s'il a eu un rapport avec elle, ben, il a eu un rapport avec la femme de son frère, c'est très grave. Mais en tout cas, il n'a pas, maintenant, il ne va pas interdire la sœur de Rachel à lui, par exemple, parce que ça n'a rien
ça n'a rien fait entre eux. Ok? Voilà pour la première partie de la Mishnah. Maintenant, la Mishnah elle va nous rapporter, si vous faites attention, la Mishnah elle me dit Enacha Chalitza Klum. C'est une phrase qui est revenue tout au long du chapitre, que après la Chalitza qu'il a fait, il n'y a plus rien. Et on oublie à chaque fois de parler sans arrêt de la Bia. Soit, la Mishnah elle me parle toujours de deux situations en fait. Il y a, après que j'ai fait la Chalitza l'une, il y a eu Bia, il y a eu Get, il y a eu Mahamar. Ou encore, il y a aussi, c'est le premier, il a eu un rapport avec elle, il a fait la Bia, la Beila, il est parti avec elle. Et après, il y a eu d'autres actions. Et sans arrêt, la Mishnah, quand elle conclut après, elle vient me donner la lacha, elle va me parler sans arrêt de la Khalitza, elle ignore la question du hiboum. Et c'est lié en fait à la suite de la Mishnah, parce qu'en réalité, il y a une petite nuance et discussion. Alors je vais maintenant d'abord introduire un peu mieux, un peu plus profondément d'abord, l'idée, le principe. Et après, on va découvrir c'est quoi la discussion, ça va pas être compliqué, j'espère. Tout d'abord, pourquoi, lorsque, on va traduire la notion de Khalitza Psula et la notion de Bia Psula. Soit, à partir du moment où il y a eu un frère qui a fait le cas initial qui est interdit de la Torah, c'est le cas où il y a le cas très grave, c'est le cas où il y a eu un premier frère, qui a fait une action sur une femme, qui va la libérer, qui va libérer les autres femmes selon la Torah. Soit parce qu'il va faire la bi'a, il va partir avec elle, be'ila, et bo'el, ba'al, ça va avoir un rapport avec elle. Soit parce qu'il a eu un rapport avec elle, soit parce qu'il a fait la khalitza. Le premier qui a fait l'action, si un autre va faire l'action, ou si lui va faire une action sur une autre ensuite, il n'y aura plus aucune conséquence sur ça, parce que l'acte ne sert plus à rien. Étant donné qu'il a déjà fait sa mitzvah. Ok? C'est la donnée de base. Donc, si je traduis ça, ça signifie que N, Beila, Achar Beila, par exemple. Si le premier, il a eu un rapport avec une, le deuxième frère, s'il aura un rapport avec l'autre, ça ne servira à rien ce qu'il a fait. Il n'aura pas eu de rapport, il n'aura pas créé de lien avec elle. Ça, c'est la donnée de base. Selon ce principe, lorsque le premier, il n'a pas fait la Beila, il n'a pas eu de rapport avec elle, mais il a juste donné des Kiddushei Mahamar. Alors là, la problématique de la Mishnah, elle est que si le deuxième, il va finalement avoir un rapport avec une autre femme, avec une autre coépouse, ou même avec elle. Si toutefois, on va dire que le deuxième, c'est-à-dire que selon la loi stricte, le premier, du point de vue de la Torah, il n'a rien fait, donc le deuxième, il aurait dû avoir tout fait. Ouais, c'est le premier fait des Kiddushei Mahamar, le deuxième, il vient, il fait la bia avec elle, c'est le deuxième qui la marie, selon la Torah. Mais si tu vas dire que le deuxième, il la marie, alors là, on va se retrouver dans une situation délicate. Dans une autre situation, les gens vont se dire, ah, moi je me rappelle dans l'histoire du hiboum qu'il y avait eu il y a 2 ans, il y avait eu 2 frères qui ont eu 2 rapports avec 2 femmes. Et chacun ils sont mariés avec elle. Parce que le deuxième, le premier, comme le premier, il a fait des kiddushin à l'une, il a fait kiddushin à Amar, et le deuxième ensuite, il a fait la Beila à la deuxième, les gens ils vont se dire que le deuxième, il a réussi à marier. Suite à ça, les gens vont déduire une erreur, que lorsqu'un premier frère marie une femme, le deuxième frère aussi peut marier une autre femme. C'est-à-dire quand elle était dans la maison avec un frère, Lévi, qui est Niftar, qui avait 3 femmes, ben en fait, les gens ils vont conclure que même 3 frères, ils peuvent se marier avec les 3 femmes qu'il y avait. Or, ça va faire une catastrophe, ça va faire des mamzerim de partout. C'est la problématique. Suite à cause de cette situation-là, Rami m'ont dit, tu sais quoi? Si toutefois, le premier frère, il n'a pas fait une bi'a, il n'a pas fait une khalitza, il a juste fait des kiddushei ma'amar, ou il a donné un guet, on va considérer comme si qu'il l'avait marié, au point où le bia, ou la khalitza du deuxième frère sur une autre femme, elle va être semi-invalidée. Je reprends maintenant et je me rapproche un peu plus de la Mishnah. C'est un cas théorique. Il y a des avis qui pensent comme ça. Il y a 3 avis dans la Mishnah. Il y a 2 avis et un 3e avis dans la Mishnah. D'ailleurs, je vais commencer avec l'avis qui n'est pas rapporté dans la Mishnah, qui est rapporté dans la Gemara, au nom de Rabbi Meir. Justement, ça va nous aider beaucoup à comprendre l'originalité de la halakha et de comprendre aussi la marloquette en réalité. Selon Rabbi Meir, lui, il a un grand souci. On va prendre, il y a Rachel et Léa, les deux coépouses de Lévi, et Réhouven et Shimon, ce sont les 2 frères qui sont là devant nous. Si, toutefois, Réhouven va prendre Rachel en Yiboum, si Shimon il va prendre lui aussi Léa, il va avoir une famille de Mamzerim. Il n'y a pas l'équilibre, ils ne prennent pas. Donc, c'est une catastrophe. Ok? Partant de ce principe, Rami m'ont dit, selon Rabbi Meir,
que si Réhouven, il a juste fait des kiddushei ma'amar à Rachel, les gens, ils ont vu qu'ils sont mariés, on a fait de la choupa, il y avait une ambiance. Et Shimon, finalement, il a pris Léa. Si on va laisser Shimon marier avec Léa complètement, ouais, si on va agréer, si on va cautionner cette bia qu'il a fait, les gens, ils vont déduire que la prochaine fois, quand il y a un frère qui décède, tous ses frères peuvent prendre toutes les femmes de Reuven. De Lévi, enfin, du frère qui est du frère défunt. Or, ça va faire une catastrophe. Suite à ça, Rami m'ont dit, tu sais quoi? À partir du moment où il y a un premier frère qui a fait même des kiddushei ma'amar, ou encore qui a donné un guet, qui ne va pas libérer la femme complètement, si un deuxième frère qui va venir, et qui va faire même la bia, ou même la khalitsa, on ne va pas tolérer, on ne va pas valider et cautionner cette khalitsa qu'il va faire, on va dire que malgré tout, tu as fait une khalitsa, c'est bien, tu as permis, mais que partiellement, il faut continuer à faire une vraie khalitsa. Soit, ça se traduit comme ça, ça signifie que si toutefois on a fait par exemple une bia après un mahamar, après des kiddushei mahamar, Chachamim vont invalider la bia et vont nous dire, tu sais quoi, tu dois donner un guet, tu dois en plus de ça faire la khalitsa. Parce que la bia que tu as fait, c'était pas une bonne bia. Comme ça, quand les gens vont voir que tu vas dire, on va lui imposer de faire une khalitsa, les gens vont dire, ah, donc le rapport qu'il a eu avec elle, c'était pas un bon rapport, parce que le premier, il a déjà marié une première. Donc en fait, on va leur demander de faire deux choses. On va demander à chacun de donner un guet. Le premier, il a fait des kiddushei mahamar, le deuxième, il s'est réellement marié. Vous donnez chacun un guet et après on continue à faire une khalitsa. C'est le principe de la Mishnah, de plein de Mishnahs qu'il y avait précédemment. Ça, c'est admis, ça, pour le moment. Ouais. Si je reprends, le premier, il a fait des kiddushei mahamar, le deuxième, il a fait une bia. La bia que le deuxième fait, elle n'est pas validée. Même si du point de vue de la Torah, c'est le deuxième qui marie, il peut même rester marié avec elle. Chachamim m'ont dit, tu sais quoi, tu donnes un guet, et après on va faire une khalitsa. Parce que la première bia que vous avez fait, c'était une bia psoula. C'était une bia qui a été faite en situation invalidée. Et si on va tolérer de permettre juste avec un guet, les gens ils vont dire, ah, donc le deuxième, il a réussi à marier la femme, et la prochaine fois, ils vont se marier avec les deux femmes. C'est la problématique de notre Mishnayot en général. Maintenant, on arrive maintenant dans notre Mishnah avec une situation encore plus délicate. Lorsqu'il y a eu un premier qui a fait... Alors, maintenant, sur ça, c'est discuté. La problématique, elle est très simple. En fait, est-ce que les gens ils vont faire... La question philosophique à demander, c'est est-ce que les gens vont faire cet amalgame, en fait? Entre un premier qui a fait des kiddushei ma'amar et le deuxième qui a fait une bia. Est-ce que de là, les gens vont se mettre à déduire que si le premier il a fait la bia... Et le deuxième, il va faire aussi la bia, que c'est la même chose, et qu'ils vont se mettre à se marier avec toutes les femmes, où les gens ils vont comprendre que non, l'iboum, c'est que la bia, c'est pour ça que le premier l'a emporté ou pas. C'est pour ça que la bia qu'il a fait ensuite, c'est elle qui l'emporte, et ça suffira de donner un guet uniquement sans avoir besoin de faire un khalitsa. Ou inversement, si le premier, elle a donné un guet, et le deuxième, il a fait la khalitsa, on a aussi la même problématique. Que si toutefois, un peu plus recherché, mais en tout cas, c'est la même problématique. Si toutefois... Les gens ils vont dire que la khalitsa du deuxième, elle a été validée, alors que le premier, il a déjà donné un guet. Les gens ils vont dire qu'en fait, quand tu as deux femmes qui sont là devant toi, tu dois faire la khalitsa chacune, et forcément, si tu dois faire la khalitsa chacune, ça signifie que si tu fais khalitsa à une, tu pourras aussi faire la bia à l'autre. Et de nouveau, on va avoir le même problème des mamzerim. C'est la problématique. Suite à ça, on a trois avis. Il y a Rabbi Meir qui est par rapport à notre Misha qui va nous dire, tu sais quoi? La bia ou la khalitsa, pour quelle mettre un terme à toute l'histoire du hiboum, pour qu'elle enterre, qu'elle libère complètement les femmes et qu'elle libère complètement les frères aussi de leur devoir, c'est que si elle vient en première position, d'abord vous faites une bia, d'abord vous faites une khalitsa, et après, si le deuxième il va faire des kiddushei ma'amar, il va donner un guet, ou il va faire une khalitsa, il va faire un hiboum, je m'en moque, c'est n'importe quoi, parce que le premier l'a déjà tout libéré. Mais si toutefois, ils ont déjà fait une première action sur une des femmes, un frère qui a fait sur une femme, ou lui-même qui a fait une action sur une autre femme, d'accord? Eh bien, si finalement il y a quelqu'un qui va faire une bia ou une khalitsa, on va dire que c'est une bia psula ou une khalitsa psula, c'est une khalitsa ou une bia qui a été faite en situation non valide. Et de ce fait, il devra donner un guet et en plus on devra même refaire une khalitsa. D'accord? C'est l'avis de Rabbi Meir. Sur ça, on a maintenant deux avis qui sont dans notre Mishnah. Un qui va me dire... Les gens ne confondent pas du tout entre Mahamar et Get et Bia et Khalitsa, parce que Bia Khalitsa, tout celui qui va écouter la Parashat Tashavua, quand on va arriver à Parashat Kitetsé, il va écouter là-bas qu'on a parlé de faire se marier avec elle, s'unir avec elle, faire la Bia, ou encore lui faire un Khalitsa. Et les gens, ils ne vont pas faire d'amalgame entre Kiddushei, Mahamar et Get
et Bia et Khalitza. Ça, c'est le dernier avis qu'il va y avoir, ça va être Rabbi Nechemia. Et le premier avis, il va faire une petite nuance. Il va nous dire, ça dépend. Khalitza, les gens, ils savent que Khalitza, ça m'interne complètement, et ils vont pas faire d'amalgame avec la Khalitza. Donc la Khalitza, même si elle va arriver après un Kiddushei, Mahamar, ou après un Get, ou après... il n'y a pas de problème. La Khalitza, dès qu'on va faire la Khalitza, on sait qu'elle coupe tout, et qu'il n'y a plus de suite. Et donc, dans ce cas-là, c'est un frère qui va faire, mais elle apprend suite, hein, qui nous chale Mamar avec une autre, il ne va pas interdire sa sœur, et tout ce qu'on a vu dans la deuxième Mishnah. Par contre, le hiboum, les gens, ils vont faire un amalgame. Parce qu'en réalité, la Torah, elle a dit que tu te maries, mais peut-être qu'en fait, tu peux même aussi faire le pré-mariage en demandant des kiddushin. D'accord? Regardons, on fait tout ça dans les mots, et Bezrat Hashem, on va finir ensuite ce chapitre qui était relativement compliqué. Pour vous comme pour moi, je vous promets. Donc on a dit, En achar chalitza klum, En achar chalitza klum. La Mishnah m'enseigne qu'il n'y a pas après la chalitza, il n'y a plus rien. Dès qu'on a fait la chalitza, ça coupe terme, et après l'autre frère qui va venir, qui va faire des kiddushin mamar, ou qui va donner un gâteau, il va avoir aucune. Son acte ne va servir à rien, ne va rien faire, rien interdire, aucune influence. Ben batechila, ben baemtsa, ben basof. Qu'il ait fait la khalitza au début, au milieu ou à la fin, ça ne change rien au problème. Dès qu'on fait la khalitza, ça coupe complètement et tout acte de n'importe qui d'autre n'a plus aucune valeur. Tandis que veabeila, par contre, si toutefois il y a un frère qui est parti avec elle pour faire la misa du hiboum, alors là, attention, ça devient différent. Bisman shehi batechila, s'il a ouvert, il a commencé d'abord en première position à faire la beila, à partir avec elle. Alors là, dans ce cas-là, enachare akloum, tous les autres actes qu'un autre frère pourrait faire sur notre coépouse, par exemple, n'aura aucune incidence. Tandis que baemtsa ou basov, s'il le fait au milieu ou après, parce qu'on a d'abord commencé à faire une première autre action en commençant à lui faire le Kiddushei Mahamar, en lui donnant un guet, alors là, réellement, même ça, sauf Yeshacharei Aklum. Soit, je retraduis un petit peu la situation, un premier frère a fait des Kiddushei Mahamar, Rachel, elle a fait Kiddushei Mahamar, Reuven, elle a fait Kiddushei Mahamar à Rachel, Shimon va ensuite s'unir avec Léa. Est-ce que Shimon, maintenant, il marie Léa ou non, au point où, quand il va divorcer Léa, ben, on va lui dire, ben, tu sais quoi, tu as sa sœur, elle va être interdite. Ou encore même mieux que ça. Après que Shimon, il est parti avec Léa, hein, il y a encore une troisième femme. Avec un quatrième frère, quoi. Yehuda, qui avait une autre femme là-bas, Dina. Lui aussi, il a donné des kiddushei Mahamar. Est-ce que Yehuda, il va, avec ses kiddushei Mahamar à Dina, est-ce qu'il va interdire les sœurs de Dina ou pas? Et la réponse va être que oui. Parce que après la bia de Shimon qui a été faite en situation invalidée, parce que le premier frère, il avait déjà fait quelque chose, il avait déjà donné des kiddushei Mahamar. Si on va dire que Yehuda, il n'a rien fait parce que Shimon a, oui, fonctionné avec sa bia qu'il a fait à Léa, ben, suite à ça, les gens, ils vont dans une autre situation, ils vont dire que dans ce cas-là, même deux frères peuvent se marier avec deux femmes, comme ce qu'on a expliqué, vous avez compris? Oui? Donc, par contre, là, c'est ce que la Mishnah me dit, va Beila, la Beila, le fait de s'unir avec elle. Bizan Chei Batrila, s'il a fait au début, en première position, alors là, effectivement, Enachare Akloum, tout ce qu'on pourra faire ensuite n'aura aucune incidence, parce que c'est fini, on a coupé terme. On a coupé terme avec la misa du hiboum et de la khalitza. Par contre, Bahem Tsaouba, sauf si on le fait au milieu ou après, parce que il y a eu un premier frère qui a fait quelque chose, et bien dans ce cas-là, Yesh, Achare Akloum, il y aura encore des conséquences après, que si un autre frère qui va faire le hiboum, il va faire ensuite, il va donner des kiddushei Mahamar à une autre sœur et tout ça, hein, il va l'interdire. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia a dit que Achat Beila va Achat Khalitza, qu'il s'agisse de la Beila, du rapport, ou de la Khalitza, toujours. Ben Batrila, Ben Bemsa, Ben Basov, qu'il la fasse en première position, au milieu, ou à la fin, dès que tu fais Bia ou Khalitza, ça coupe terme avec la mitzvah, et en achare aklum, il n'y aura plus rien ensuite, que même s'il y aura ensuite un autre frère encore qui va partir donner du jeune à une autre co-épouse, il n'aura aucune conséquence de son acte. Il n'y aura aucune conséquence de son acte au point d'interdire les sœurs de la nouvelle coépouse, parce que le premier qui a fait Bia ou Khalitza, il aura complètement achevé la mitzvah de Iboum ou Khalitza. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une pleine d'Hatzlacha Kol Tov, Salam.